Exactement, et on espère que vous faites le décompte chez vous avec les tout-petits-enfants, mais surtout que vous avez la grâce et la bénédiction de pouvoir leur offrir tous les cadeaux qu'ils veulent. On vous le souhaite et que ce mois soit un mois d'abondance et que vous puissiez ainsi obtenir ou atteindre tous vos objectifs. On vous souhaite surtout de passer de bons moments avec vos enfants et de leur apprendre comment faire des décorations à zéro franc sur la base de tout ce que vous avez autour de vous. Et nous faisons justement le pas, hein, en quittant la décoration pour tomber dans l'environnement avec les différentes vidéos que vous allez encore découvrir de nos petits-enfants aujourd'hui. Mais au programme de cette émission. Bien sûr, au programme de cette émission aujourd'hui, bien sûr, ça fait deux jeux, vous nous avez énormément manqué, mais aujourd'hui, spécialement, dans Info Imo, nous allons parler d'une plateforme dénommée Waison qui traite vos questions de logement et de déplacement. Mm-hmm. Mais ce sera tout de suite dans Info Imo. Il n'y a pas Zoli, Gbalo, six hommes, il est là. Zoli, Gamé, Gavre, Gato, c'est le Zodi. Aou, Hihia, Manono, Dodelo, Ayo. Après les géants, l'insu français du Togo, aujourd'hui, Azoli prend siège de l'autre côté à l'hôtel de février à partir de 8 décembre 2021. Devoir de mémoire, histoire de répertoire, aujourd'hui, nous allons découvrir ce grand homme, Yao Ativo. Tout à l'heure dans Bizarre. Oh, fort. Boum, Faya Kilimanjaro au fond de la classe. Vous reconnaissez, c'est Johnny Adler. Yes. Alors, bonjour chez vous. Bonjour tout le monde d'abord. Bonjour, John. Alors, aujourd'hui, nous allons parler première division et seconde division togolais, bien sûr. Championnat togolais, pour ne pas dire tout ce qui s'est passé pendant ce week-end et puis le week-end surpassé. D'accord. Alors, restez posés. Il y a des questions pour nos invités qui sont là. Ça va faire mal. C'est tout à l'heure dans le sport. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravie de vous revoir ce matin. Bah oui. Vas-y, partagez. Je suis venue ce matin avec un nouveau jeu de danse que vous allez découvrir tout à l'heure. Ah bon? Bien. Super. Eh oui, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Les enfants continuent de se mêler à la danse et surtout cette danse qui invite la protection de l'environnement. Mais aussi, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce week-end au siège du Festilum? On a parlé de cette formation récrécinée. Qu'en est-il? Quels sont les acteurs et les formateurs qui ont intervenu? On en parlera dans Pociné, allié à l'environnement, bien sûr. Bonjour et bienvenue. Voilà, alors je pense que le décor a été planté ainsi, vous savez de quoi on va parler dans cette émission. On reste dans l'immobilier, le lundi dernier on a parlé de sapin de Noël, comment justement recycler tout ce que vous avez comme bois autour de vous pour pouvoir fabriquer un joli sapin que vous pourrez décorer avec vos enfants à la maison. Ça a été un jeu très très amusant et cette semaine on vous promet de vous faire encore découvrir d'autres moyens de décoration encore plus faciles et notamment le recyclage des bouteilles. Et on est dans la période justement de la grande consommation. Et c'est évident que vous aurez beaucoup de bouteilles dont vous aurez envie de vous débarrasser. Mais comme on le dit, pour préserver l'environnement, il faut savoir justement recycler les choses. Et vous pouvez fabriquer ainsi de très jolis objets de Noël pour votre décoration. Et je veux également faire un petit lien, parce que quand on parle de fête, on parle également d'évasion. Vous avez envie de sortir de chez vous, vous prendre un petit local, exactement, un immeuble, un appartement, un endroit propre. Pas. Vous voulez juste changer un peu chic pour recréer justement cette fièvre de Noël et de Nouvel An en famille. On va dans cette émission vous parler d'une plateforme qui vous met à disposition des hébergements VIP, chauffeurs, véhicules et même des guides pour pouvoir vous promener dans la ville de Lomé et surtout le territoire national. On va rester avec de l'art avec notre cher ami Mentor Ambulant. On célèbre les anniversaires avec lui, Mr. John aka qui nous parle de sport. Lady Shams, toujours la danse. On va vous montrer des pas de danse pour bien célébrer le 24, le 25, exactement, le 30, le 31 et le premier. Bah, et pour finir, ce sera du cinéma avec notre cher ami Joël qui, j'espère bien, reviendra sur le lancement du festival Émergence. Alléluia. Et maintenant, on part pour la première rubrique de cette émission. On va simplement parler justement de tout ce qui se passe sur les terrains. On va voir s'il y a des sapins sur les terrains de football, de basketball, de handball, de tout ce que vous voulez. Mais tout de suite, c'est juste Info Sport. Je connais ma mère, on va remercier le bon Dieu. On va remercier le bon Dieu
On a eu promis tôt janvier 4, janvier 2021. Ça va être décembre, il y a des gouvernements. Que nous avons eu le droit, nous avons eu le droit de nous faire. Malgré le Covid, nous traversé le droit. Je suis un gouvernement, ceux qui nous ont aidés, bon, les cibles confirmées au côté que nous avons jusqu'alors. Nous avons dit que C'est vrai qu'après la grande cérémonie de remise du 7e Ballon d'Or à notre... exactement. Le grand Messi. On n'a plus beaucoup d'informations sportives sur les réseaux sociaux. Ça n'a fait que parler, reparler du 7e Ballon d'Or. Voilà. Mais John, on ne serait pas du tout contre une nouvelle information qui va nous décoller du 7e Ballon d'Or. Exactement. Je ne suis pas contre non plus. Je suis pour, exactement, parce que... Bon, je ne vais pas dire que j'aime pas trop Messi, mais bon, c'est ça. Bon, alors aujourd'hui, on va. Va ça. John, après, je ne sais pas, hein, mais il faut peut-être que toi, tu enlèves le chapeau du Père Noël parce que. Non, je ne vais pas enlever. À quoi tu ressembles Oui. Information sportive. Ça te va. Non, c'est bizarre. Alors, information sportive. Alors, comme je le disais hein, en introduction. Le championnat togolais a recommencé le week-end surpassé. Mm-hmm. Donc le week-end passé, c'est-à-dire hier et puis samedi, la deuxième journée a été jouée. Okay. D'accord. Alors un communiqué est sorti à l'endroit de tous les spectateurs qui vont au terrain. Oui. Maintenant, ils peuvent y aller. Alors le communiqué, je vais vous le lire rapidement. Alors, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football informe les présidents des ligues régionales et des clubs de première et de deuxième division que conformément aux directives du ministère des Sports et des Loisirs, dans le cadre de la reprise progressive des activités sportives, le quota des spectateurs pour les stades retenus est fixé comme suit. Alors, dans la région Lomé-Golf, stade de Kégué, qui est censé prendre 29 000 personnes, prendra 14 000 personnes. Ah, c'est déjà ça. Alors, municipal de Lomé prendra 5 000 personnes, Bossimé prendra 200 personnes, Agonivé prendra 300 personnes, Thévié prendra 350. Okay. Ça, c'est dans la région maritime, bien sûr. Tablibo qui prendra 300 personnes aussi. Anéro prendra 350 personnes. Dans la région des Plateaux, nous avons Atakpamé qui est censé normalement recevoir 3 000 un spectateur qui prendra 600 spectateurs, on va y arriver. Oui. Palimé, avec 600 spectateurs aussi. Dans la région centrale, nous avons Sokodé qui prend d'habitude 10 000 spectateurs, qui revient avec 5 000 spectateurs. Chamba, qui part pour 250 spectateurs. Kara, on a 3 000 spectateurs. Bafilo, 300 spectateurs. Bassar, 300 spectateurs. Pagouda, 300 spectateurs. Dans la région des Savanes, nous avons Mango, 300 spectateurs. Et Dapaon, 300 spectateurs. Voilà, ça a repris. Alors, je le disais aussi tout à l'heure, la première journée a été disputée. D'accord, ce fut le samedi passé, 27 novembre. Voilà, vous avez les scores. ASK qui a fait 3 buts à 0 contre SAFC. AS OTR qui a fait 0 but partout. Contre Togo Port. Le dimanche 5 décembre. Ouais. Alors, je pense que ça, c'est la deuxième journée. Ouais. C'est juste le week-end passé. Okay. Alors, pour la première journée, je ne sais pas trop si on peut la voir. Oui, journée 1, voilà. Alors, SAFC qui a fait 2-0, c'est-à-dire Bina a mené SAFC 2-0. Kakadel qui a fait 2-1 contre Unisport. Le dimanche, 8 novembre, Entente 2 a fait 1-0 contre Bolesou. Ange FC a fait 0-2 contre Gomido, c'est-à-dire Gomido l'a remporté. Estogoport a fait 0-1 contre Dito FC. Otoko FC qui a fait 2 buts partout contre Estogoport. Sémassi a fait 1-2 contre ASK. Asco a fait 2-1 contre Ifoje FC. Voilà. Antoine, bravo les gars.
Et bravo également à tous les clubs, bravo à la fédération, parce que ça, c'est un avancement de taille, il ne faut pas le négliger. On recommence les activités sportives, c'est extraordinaire, et ça a quand même manqué hein, sur les terrains, les supporters, les téléspectateurs, enfin les spectateurs. Mais là-bas, ce n'est pas la télé, c'est le téléspectateur. C'est pour ça que ça nous mélange un peu, téléspectateurs. Oui, mais franchement, avoir du public pour un match, c'est un autre goût que d'aller jouer sans avoir du public. Et du coup, franchement, merci, merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir également les mêmes ouvertures au niveau des spectacles pour qu'on puisse organiser des concerts. Et puis, pour qu'on puisse arriver là, il faut que beaucoup de personnes soient réellement vaccinées. Hein. Et donc, si vous n'êtes pas encore vacciné jusqu'ici et que voilà, vous entendez ce message, c'est le moment de vous rapprocher du centre de santé à proximité de chez vous et de vous faire vacciner pour que tout le monde et toutes les activités puissent reprendre comme cela se doit. Oui, nous en avons besoin. Mmh. Oui, c'est vrai, je n'ai pas fini. J'ai des questions pour vous. Je sais pas trop. Si vas-y, tout à l'heure. On a aussi deux invités dans le studio. Exactement, qui peuvent répondre aux questions. Tu veux gagner quoi? Évidemment. Comment Wiz me regarde méchamment comme ça? Alors, non, mais moi, je ne te regarde pas méchamment. Petite précision, le vendredi dernier, on a donné plein de cadeaux ici. Exactement. Des bouteilles de vin, des cadeaux offerts par Togocom. Mmh. On a également des produits cosmétiques offerts par Skin Technology by Latania et Rama Beauty, des parfums, des livres et plein d'autres choses. Voilà. C'est semaine également, c'est d'actualité. Vous pouvez repartir avec tous les cadeaux qui sont juste ici, en face de moi. Tout ce qui est emballé et tout ce qui ne l'est pas, c'est pour vous, chers amis téléspectateurs. Et donc, quand on va poser une question, si vous avez la bonne réponse, vous n'aurez qu'à écrire sur le numéro affiché au bas de l'écran. Voilà, John, ta question. Première question. Alors, après 45 minutes de jeu, la plupart du temps, la bite siffle. Pourquoi? Attends d'abord. Alors, tu poses la question au hasard, tu peux choisir une personne pour répondre à la question. Alors, choisir une personne. Ou bien les téléspectateurs vont envoyer. Bon, d'abord, les téléspectateurs, faites-nous le plaisir, envoyez des messages et on va voir. Alors, la question est celle-ci. Attends, la question est celle-ci. Après 45 minutes de match, l'arbitre siffle arrêt de match. Pourquoi? C'est normal. C'est ce que je voulais dire. C'est très non. Je peux répondre? Vas-y, réponds. Alors aujourd'hui, je représente une téléspectatrice. Je vais vous faire gagner un cadeau au hasard. Oui. Envoyez juste votre nom et numéro de téléphone et puis je vous choisis au hasard. Allez, envoyez vite. Pourquoi est-ce que l'arbitre siffle 45 minutes après la première partie du match? Parce que d'abord, c'est la première partie qui dure 45 minutes. Un match, ça dure 90 minutes. Et donc, il faut que les footballeurs aillent se reposer, se requinquer avant de revenir. C'est la pause. Mais oui, oui. Non, ouais, c'est vrai, mais il veut un thème technique. Arrête de jeu. C'est la première mi-temps, tout simplement. C'est la première mi-temps. Ben oui, c'est ce que j'ai défini en langage littéraire. Oui, tu as défini. Non, je n'ai pas dit le mot. Non, mais tu l'as très bien fait, je t'ai applaudi. Parce que quand tu fais ça, c'est pour ça que non, très bien, tu as très bien répondu. C'est la réponse. Non, elle a très bien répondu. Bravo, bravo, c'est elle. Elle a très bien répondu. C'est la mi-temps. Alors, j'attends le numéro de l'émission pour choisir la personne qui aujourd'hui va repartir avec un cadeau offert par John Badaï et nos partenaires ici sur le plateau. Deuxième question. Deuxième question, madame Océane. Je pense que là, ça va aller à l'endroit de Lady Charms. Hein? Non, Charms. Les dames sont à l'honneur. Les dames sont à l'honneur, bien sûr. Mm-hmm. Alors, Lady Charms, il faut combien de cartons jaunes pour qu'un joueur soit exclu du terrain? Le foot et moi, ça fait deux. Hein. Ça fait combien? Ça fait deux, quoi. Oui, mais tu peux essayer quand même. Elle vient de répondre. Elle dit le foot et moi, ça fait deux. C'est deux cartons jaunes. Ah ouais, c'est le niveau. Elle dit bravo. Elle est intelligente. T'as vu comment qu'elle a répondu? Le foot et moi, ça fait deux. Hein. Oula. Et moi qui me disais, ah, au monde entier. Bon, maintenant, je vais piéger les gars. Pourquoi c'est toujours non, déjà, il faut préciser que c'est au bout de deux cartons jaunes que l'arbitre a la possibilité ou le droit ou l'obligation d'exclure. De sortir exactement. Un joueur parce que deux cartons jaunes, ça fait un carton rouge. Voilà. Et tu es exclu. Et wow, c'est vrai. On donne d'abord les deux cartons. Oui. Et après, on sort le troisième, on te donne le rouge. En fait, il fait ça. D'abord, il fait non, comme en fait, ça. Non, c'est pas le troisième. Le deuxième carton jaune... Et il stipule que tu as le rouge, on sort immédiatement. Oui, il fait ça. Il te fait le jaune, voilà. Joe, tu as un problème. Pense à toi. Après, il vient et puis il dit, toi, rouge, toi, dehors, rouge. Mais tu maîtrises, c'est bien. Merci. Alors, la question piège que j'ai pour vous. Okay.
C'est une question piège. Bah, c'est toi qui trouves que c'est, okay. C'est une question piège. Oh, ok, d'accord. Tu te la poses directement. Dans la surface de réparation. Oui, j'ai fait une temps. Alors, dans la surface de réparation, lorsque la balle touche la main du gardien, c'est quoi la pénalité? Eh, hey, maman. Je vais reposer la question. Attends, je repose la question. Ouais. Mm-hmm. Maman, faut réfléchir. John a dit question piège. Maintenant, je me tourne vers toi, Océane. Okay, à toi de répondre. Alors, je dis, mm-hmm. je répète. Tu te tournes vers moi, tu regardes ailleurs. Alors, je me tourne vers toi, madame. Oui. La fois, va bien pareil. Alors, comment tu me regardes comme ça? Dans la surface de réparation. Oui. On ne m'intimide pas. Mm-hmm. Dans la surface de réparation, le ballon touche la main du gardien. Mm-hmm. C'est quoi la pénalité? Bien. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Maman, attends. Non, attention. Il faut bien réfléchir à la question. Oui, bien parce sûr, que je suis. C'est pour pourquoi ça que ça conféré le pouvoir. Je me suis conféré le pouvoir d'inviter un invité à répondre à ça. Venez avec moi, venez s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va applaudir M. Haïté de la plateforme Wezan. Voilà. M. Haïté, bonjour. Oui. Bonjour. Vous êtes un bon joueur ou pas, football? Non. Basket? Ah, bon, football, donc aujourd'hui, il va falloir répondre. Justement. Alors, John a une question qu'il nous a posée, oui. Mais comme la réponse était trop facile, oui. On s'est dit non, on va faire gagner quelqu'un parce que nous, on est en abondance. On a trop de cadeaux, on a trop de cadeaux. Et puis on est généreux. Donc, oui, alors, en surface, c'est pas un piège. C'est pas, juste vous une ne question, faites pas confiance. Les autres. Mais je suis choquée, Seigneur. Des cadeaux. Voilà. Alors, la question est simple. En surface de réparation. Quand le ballon touche la main de quelqu'un. D'un gardien. Du gardien. Oui, quelqu'un dans le goal. Du gardien. D'accord, c'est quoi la pénalité? Le gardien. C'est quoi la pénalité? C'est quoi la faute? Il y a une faute là-bas, c'est quoi la faute? Monsieur Haïté, tous ceux qui vous regardent, Père, oui. Pour nous passons connexion. Aussi à l'attention. Mais je t'ai dit, je suis basket. Oui, mais même en basket, quand le ballon touche la main, il y a une faute. Oui. Non, dans la surface de réparation. Alors, la balle touche la main du gardien. Dans la surface de réparation, il y a une faute. C'est quoi la faute? Quand le pied, la balle touche le pied en basket, il y a une faute. C'est son frère qui est dans le football. Donc, il faut nous dire, on va voir. Je ne sais pas, on te fait un coup franc. Non. Un coup franc? Bon, c'est pas tout à fait ça. Bon, un coup franc, c'est pas tout à fait ça. On va quand même l'applaudir parce qu'il bravo, n'a pas trouvé. Bravo! Il essaye, il n'est pas trop football. Mais c'est pas grave. On va... Maman, j'ai une question à l'endroit de John. Oui, moi aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une pénalité là-bas? Toi-même, tu comprends la question. C'est ce que tu as posé? Alors, je reviens sur la question. Alors, je reviens sur la question. Il n'y a pas de pénalité, en fait. Je reviens sur la question. Alors, j'ai bien dit. Lorsque dans la surface de réparation, la balle, oui, dans la surface de réparation, la balle... Attends, on va montrer les choses physiquement. On est dans la surface de réparation. Alors, la balle touche la main du gardien. C'est quoi la pénalité? Il n'y a pas de pénalité. Il n'y a pas de pénalité, c'est normal, parce que c'est dans la surface de réparation. Zone de confort. Tranquille, il prend juste la balle. Pourquoi je pose la question à John? Et j'ai bien répété que c'est une question piège. C'est pour ça que je n'ai pas eu envie de répondre, parce que, oui, parce que j'ai compris que la réponse était trop facile. Et je n'ai pas compris comment M. Haïté n'a pas pu faire ce calcul. Mais par contre, je veux comprendre quelque chose. Dis-moi. On a parlé tout à l'heure de coup franc. Mais quand est-ce que le coup franc, la pénalité coup franc, ça pose? Bon, le coup franc, en fait, c'est une faute. C'est lorsqu'il y a faute qu'on joue le coup franc. Quelle faute? Le coup franc, en fait, le coup franc, ça se joue... bon, il faut dire que, par exemple, okay, je tiens la balle, je suis Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Je tiens la balle, tu es Messi. Tu es Messi, pas dans la surface de réparation, mais tu me tacles. Aux arbores de la surface. Aux arbores, pas dans la surface de réparation, mais aux arbores, dans les alentours. Si tu me tacles et qu'il y a faute, c'est un coup franc. Ah, mais c'est ça, va dans les corps. Les gens sont comme même ça. Même les gens se couchent même. On frappe la balle. Si on fait comme ça, voilà. On fait comme ça. Voilà, c'est bien ça. Ça, c'est le match que tu as vu dedans. Il faut comme ça. C'est le match. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on a appris déjà ce que c'est que... Comment, à quel moment est-ce qu'on donne les cartons rouges? Exactement. D'accord, donc ça a l'air amusant. Mais franchement, c'est pour passer l'information plus facilement. Voilà. Lorsqu'il y a deux cartons jaunes, on parle directement de cartons rouges. Ensuite, on a parlé de... Lorsque la balle touche la main du gardien, il n'y a pas de pénalité. Il n'y a pas de pénalité. Lorsque la balle dans la surface de séparation... De réparation. Ah.
Super, j'adore. La surface de séparation. Séparation. Un nouveau groupe. Par vous savez, vous une nouvelle expression. Ça peut faire quand même office, peut-être, d'un terme technique dans le football. On ne peut pas l'industrie. Il ne peut pas comprendre. Il pense que dans la pose ancrée, toujours. Je parlais de la surface de séparation. Voilà. Donc, dans la réparation, donc vous séparez la réparation de la séparation. Quand Yannick est en train de rire là-bas, là, c'est un mauvais. Mr. John, merci beaucoup pour ces informations. Et puis, on fait également un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent depuis leur maison, depuis Assigamé, depuis les hôpitaux également et dans les administrations. Les gars, on sait que vous êtes là. Depuis la Croix-Rouge, on vous envoie plein de bisous, bisous, bisous. Comment ne faut pas oublier chez les vendeurs d'Aïmoli, là. Voilà, si vous nous suivez depuis chez Nord ou encore chez la Dame Ouaché ou je ne sais pas. Ben écoutez, on vous envoie plein de bisous et on attend toujours notre invitation. Et maintenant, pour cette émission, dans Bizarre, on va parler d'art, justement, et on va également célébrer ceux qui, le 6 décembre, ont une bougie à souffler. Bonne fête d'anniversaire à vous, Bizarre. Alors, coucou la pause. Coucou. Bonne émission à vous. Vous êtes tous mignons ce matin. Merci. Maman Josué depuis Vacocito et donc Stata Océane. Mon numéro, c'est le... Je veux gagner un cadeau pour prouver à mon mari que je ne suis pas la pause pour rien. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il m'a surnommée assistante personnelle de la pause. Madame l'assistante personnelle de la pause. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés et eu égard à votre professionnalisme, à votre poste, dont nous vous donnons la primeur définitive, Seigneur. Donc, j'ai utilisé tout mon quota de mots aujourd'hui. Nous vous offrons une bouteille de Duchesse de Charlevoix pour que vous puissiez célébrer. Vous allez montrer à votre mari que vous n'êtes pas assistante pour rien et que ça a mérité ceci. Et on vous dit juste qu'on vous aime énormément. Vous le méritez. Donc, à la fin de l'émission, faites-nous juste signe. Bien, un autre message. Pour nous envoyer Venir même ici, on va lui remettre ça. Non, tout mais il ne faut pas donner à boire à tonton là, hein, parce qu'il n'a pas été gentil. Comment il peut dire des choses comme ça? Il n'a pas venu pour prendre en direct pour que le tonton là puisse vraiment voir que voilà. Que vous voyez, non. Sinon, maman Josué, merci beaucoup. Hein, c'est vraiment très, très gentil. Justement. Allez, un autre message. Attends, Alors, salut la pause. Salut. Concernant la question pièce de John, lorsque c'est le coéquipier du gardien qui lui donne la balle, le gardien n'a pas droit de la prendre avec la main, sinon c'est une faute. Voilà. Un coucou spécial à Jerry Wisdom et à toi aussi. Hein. Merci beaucoup. C'est signé KP7. John est resté à la surface. Il faut comprendre, John, que c'est une question piège. Voilà, il l'a bien précisé. C'est que c'est une question piège. Alors, premier mi-temps, première mi-temps, deuxième carton, deux cartons jaunes. Pas de pénalité.
invité. Salut la pause, j'ai même oublié de vous saluer. Coucou à Jerry, Jerry, Jerry. Comment tu as... Merci, merci. Toi, tu veux gagner, tu appelles le nom de quelqu'un dans le téléphone de sa famille trois fois. Tu cries même. Pardon, pour dire Océane, Océane, donc vous allez partir avec la duchesse sienne. Hein. En plus, tu as mis une jolie photo de profil. Hein. Non, toi-même, c'est, tu n'existes pas. C'est terminé. Je ne vais même plus dire qui tu es. Anyway, alors, maman Josué est très contente, vous lui avez offert une duchesse. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, super cool. Moi, super bien. S'il vous plaît, ma fille veut la chanson Yo Yo Yo. Ah, c'est vrai que ça fait un moment que... Moi qui croyais qu'on avait coupé avec cette chanson. C'est bien. Alors, on va lui faire cette chanson, ne vous inquiétez pas, ça va nous faire plaisir également. Bonne émission. Merci, merci beaucoup. Alors, c'est Joanita qui vous envoie le message. Merci, Joanita. Merci. Salut, la pause, comment allez-vous? Salut, ça va très bien. Alors, c'est Lucie depuis Agouet. Merci, merci Lucie. Lucie. Bonjour, la pause, comment allez-vous? Bonjour, super, ça va bien. Très bien. Océane, tu ne lis jamais mes messages. Non, aujourd'hui, Océane a lu votre message. Et la personne, dans un précédent message, a précisé qu'elle a eu son bac cette année. Elle a 18. Ça s'applaudit. Wow. Ça s'applaudit. Bravo! Bisous Pascaline et félicitations. Si vous nous regardez, on a un petit cadeau pour vous. Faites-nous signe à la fin de cette émission. Voilà. Alors, coucou la pause. Coucou, coucou, salut. Pourquoi Océane et Wiz sont en rose? Alors, la couleur c'est, du c'est jour, l'orange. Déjà, ce n'est voilà, pas du rose. C'est de la couleur orange. Ah. Et c'est la couleur que nous avons décidé de porter pour vous faire plaisir aujourd'hui. Justement. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, applaudissez chez vous, gros bisous. Bien, alors nous poursuivons. Coucou la pause. Coucou. Salut, salut tout le monde. Salut. Tata salut. La présentatrice, tu es très mignonne. C'est Aimé depuis Agoué. Merci beaucoup Aimé. Bonne émission à vous. Merci, thank you. Comment allez-vous? Super bien. Et un message signé Mathieu. Merci beaucoup monsieur Mathieu, le dernier qui nous vient du Ghana. Hello la pause. Hello. Bonne émission à vous. J'espère que vous allez tous bien. C'est One Love depuis Accra. Merci, merci beaucoup One Love. C'est très très gentil. Ah, bon, je ne pourrais pas lire tous les messages, mais on a des informations très, très capitales pour vous. On va parler de l'art. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'art plastique? L'art plastique, moi-même, je veux savoir. C'est moi non plus. Je suis très curieuse. Mon cas en bilan. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre 2021. En pays éveillé, nous fêtons bien sûr les adios, les... Kodjo, un pays cabien, il s'agit de Odalo, Odabalo, mais sur le calendrier grégorien, il s'agit de Nicolas, Nico, Nikos. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Lady, ça va, ça va. Joël, ça va, ça va. Aussi, ça va aller. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Danse, ça va, ça va. Les hommes, ça va, ça va. Ah, pour nous pas, ça va aller. Hey, yo, 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 c'est la pause de l'eau. Mm-hmm. Oui. Maman, comme je vous le disais depuis la semaine dernière, eh ben, c'est une question de devoir, de mémoire, une question d'histoire, de répertoire. Aujourd'hui, nous sommes avec ce grand homme qui se nomme Yao Ativon. Cet homme, il a commencé la musique dans les années 70. En 90, il a immigré vers les États-Unis après ses études. Le gars, il nous a chanté quoi? Dakafui. Et il nous a cité là avec moi. On y va avec Dakafui. Mikan,
Revivre justement le parcours de ce grand artiste avec cette chanson qui a bercé énormément. Et quand vous l'écoutez, franchement, si ça ne vous donne pas envie de danser avec votre amoureux ou amoureuse, justement, ou encore avec un parent à côté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça vous donne la chair de poule. Ouais, ça donne la chair de poule. J'espère qu'il va bien. On veut bien savoir ce qu'il devient. Oui. Sa dernière présentation à Lomé, c'était en 2011 à l'Institut Goethe, quand l'Institut Goethe fêtait ses 50 ans d'implantation ici au Togo. Mm-hmm. Et actuellement, il est retourné aux États-Unis. Mais si vous voulez découvrir encore d'autres chansons de Yao Komla, Ativo, il suffit de taper Yao Komla, Ativo, Ativo avec deux T, V-O-R. Et puis vous allez encore découvrir d'autres tubes de ce grand homme. Je rappelle qu'il fait partie de ces artistes qui sont très primés dans la sphère du jazz aux États-Unis. Mm. Il faut cliquer là-dessus, vous allez découvrir de bonnes choses. Alors, revenons à nos moutons qui nous sont très chers. Mmh. Aujourd'hui, nous allons parler de la sculpture avec ce grand artiste togolais qui a raflé tous les trophées en Afrique, en Europe. Il se nomme en Égypte, lors des Jeux africains, la dernière fois. Il nous revient d'ailleurs de la France après une résidence de 3 mois. Mmh. Et il a passé 1 mois de l'autre côté de l'Institut français du Togo avec ses œuvres dénommées Les Géants. À partir du 8 décembre, le gars descend où ? À l'hôtel de février avec Azonli. Et il se nomme comment, maman ? Gora. 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 Le monument qui se déplace toujours avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Oui. À chaque fois qu'on le reçoit, il vient toujours comme cela. Il est très simple, il est très humble, alors que c'est la personne qui voyage certainement le plus, c'est la personne qui aujourd'hui vend plus de tableaux ou de toiles que qui que ce soit. Et d'objets. Et d'objets, justement. Ouais. Mais moi, j'ai une question tout à l'heure. Moi, je disais, la toute première question. Moi, j'ai l'impression. Pas de questions. Il y a des questions. Moi, j'ai une question. Tout de suite, quand on dit, l'image. Si menteur nous permet, c'est la pause, c'est pour comprendre aussi. Hein. Ou alors, c'est surtout pour informer, nous former aussi. Hein. Et du moins, la question, c'est quand on dit artiste plasticien, est-ce qu'il utilise les plastiques? C'est pour ça qu'on l'appelle plasticien. Ou bien il plastifie? Je recadre tout de suite les choses. Artiste n'est pas un artiste plasticien, c'est un sculpteur. Il s'est plus spécialisé dans la sculpture, bien sûr, qu'il a fait aussi dans le temps, de l'art plastique. L'art plastique, c'est quand on peint sur les tableaux. C'est pas histoire de plastique, si. Non. Pourquoi je ne suis pas rassurée par ta réponse. L'art plastique, c'est non, quand c'est on non. peint sur le tableau. Bonjour, Atisso. Don ami. Non, what's up? Kaka, kaka, Bébio, au fond. Premier. Oli. Ni tu aimes. Ni tu aimes. Eu vou doutor. Eu me aguore. Il y a un moment où je vais me tranquilliser avant le 8 heures. Et moi Il y a la quoi 2022 à Merola, il y a la quoi 2021. Ah ah, ok. Il y a comme un blanc, quoi. Moi, des recadres avec lui. Ok. Ok.
comment? Alors, est-ce qu'on va revenir sur l'exposition à l'Institut français? Oui, on y va. Vous avez des questions? J'ai beaucoup de questions. On y va. Atisso, récemment, c'était à l'Institut français, une exposition qui a duré un mois. Et on veut revenir justement sur ces œuvres. Ça a parlé de quoi? Et pourquoi décider justement d'exposer sur une si longue période? Empire existait l'Afrique avec royaume. Wagbe Afrique ni du quel doit continent que heli le quoi. Vous vous me bien sûr. Et avec culture ni abandonné. Elle est difficile na mi fifi be. Ni to la fond matin alors la sauce semaine de cas. La demi de kaka semaine la pas difficile na moi. Ngbalo. Et c'est beau mititi ni. Mirola Guagbe Mogata, Emiana Etihoho. Yanto Miaruque, Yaruque, Emia Sofia, Movenove, Africa, Joa, Nugula Requamisa. Alumni Fiopoe, Amehiova Kuna Nugula Requamisa. Mirola Trasisunti. Et Yamianto, pour la doise, il y a un petit, mais j'aimerais poser la question en ce sens. Oh Benadi, Bena, et les bains à quoi de vélo. Bah tu vis quand tu es le plus fou quoi. Ah oula, à Glangene. Et Gora Tissoa, il peut être jeune, vivéni. Et les sculptures benoît mais art benoît mais. Voilà, nous qu'elle a nabé Gora Tissoa en tant que jeune, elle est autour du monde. C'est vrai, à Moulo les doigts me voir. Au Moulo niveau moins que Mido. C'est quoi ta particularité? Nous kenyi gora no be gora ti soit nous kenai be abi on les reconnu et à pour œuvre la fio les photos. Oui, essaie. Les doyé genja de toi mais nous encore nya zonli. Zonli là. Agbe en zonli. Via azon ami les zonzoli avant mais si un coup de que les zondo. Donc il y a rien qui manque blanc en haut parce que mon lico hova le sait que Dieu les enlève. Et Dieu les enlève. Et Dieu, mon amour, la zendo. Donc, il y a un seul mot. Atisson Benade, nous découlons. Et à Melo, on avait nos pétata, nos sculptures à sort d'arénéa. Beyomunya, Amérila, soit Tipo, quoi, lava triplin Gorenti, la soit Zingri, Trilofie, la soit Nusidofie, quoi, elle avait 1 500 000, elle avait 2 millions de Begomerema. Nene, n'y a rien de bien en tant d'Ara, Bodi, quoi, ben, elle est mimatée, c'est mari. Et nous, qu'elle n'avait Amérila, je te fais filer des gamins, tout la plaie. Il n'est pas une sorte d'Aro, mais là, dès qu'elle leur regarde, il y a une valeur qui est nuancée. Si tu et toi, les bon, me donne. Parce que les Américains ont déjà dit, voir, n'y a que Dieu. Et j'ai déjà tout, voir, mais c'est un peu de vie, n'y a pas. Quand on soude, alors on est là-bas, on est là-bas. Donc, mes amis, je dois, mes doigts, mes doigts, fait tout, me va, que j'en veux. Que mes doigts d'arriver. Et toi, là, tu as, mais qu'il y ait tout, quoi. Parce que mes amis, histoire que les douaniers les ont doit y en font beaucoup d'anoï. Donc elle a coûté 2 millions. Et Joël? Oh, Atisso, félicitations. Merci. Qu'au blondier les cas bon avec quoi m'ségomé. Beaucoup de courage. Merci. Et bon vent.
hein, pour le prochain vernissage. Je pense que c'est le 8 décembre prochain. Voilà. Justement, ça commence le 8 décembre prochain. Ça va couvrir quelle période? Et est-ce que pour visiter, l'accès est soumis à, je ne sais pas, à un pass vaccinal? Et puis, est-ce qu'il faut payer également un ticket d'entrée pour aller visiter? Comment ça va se passer? En fait, c'est une invitation. Et invitation, hein. Mm-hmm. Et... Amegbogboro nya 2 février be seu donc anyebe emunya be na be mi aso pass vaccinal ara sikwito wa wanto la gbo la gbo ntomi apo po cha la gbo mon kwa e ke bele ya donc elle est là durée tant nebe la durée et ben et durée a nya 45 jours 45 jours donc quand il vient on se be 21 janvier OK et bien là quoi. D'accord. Et on aura droit à combien d'œuvres approximativement? Une vingtaine, une trentaine? Il y a un clénao de Karika. Parce que nous sommes à 10. Son adorica. Son adorica. Donc, il y a le fond de ce bébé. Donc, il y a des gens qui ont 10 ans. Donc, il y a des papiers sur les messieurs. Il y a 100 ans. Wow. 100 pièces. À Tissot, ça a mis combien de temps pour fabriquer 100 pièces? Voilà. Il y a des gens qui ont dit parce que et gaki me inspiration va joa im dans la siacha va inspiration le amati ou le mini chime face donc dépend que arbe vidunya fonam do mon ado la vie de l'artiste hein. Vous comprenez voilà. Maintenant que ça n'a rien de déterminé en justement. Fait ça se vit naturellement mais ça se vit beaucoup plus spirituellement franchement on veut juste féliciter notre frère Atisso pour ce magnifique travail et on vous invite de l'autre côté de l'hôtel 2 février pour cette belle visite qui va vous faire justement découvrir ou découvrir le monde artistique autrement un numéro de téléphone menteur pour finir mais pour finir je voudrais juste dire Agora Atisso est à féliciter parce qu'il a offert en fait plusieurs sculptures au ministère de la Culture. Si vous allez, aujourd'hui, il y a ces œuvres qui sont en chantier, d'autres qui sont déjà prêtes. Agora Atisso expose à partir du 8 décembre de l'autre côté de l'hôtel de février. Mm-hmm. Agora Atisso, c'est cet homme-là qui parle partout dans le monde, sa langue maternelle. Oui. Il n'a pas peur de sa langue. Il y a un concours, mais le NC français, bon, il s'en fout de ça. Mais avec ça, il va partout dans le monde. Donc, les gars, merci. Pour contacter Agora Atisso, il suffit d'écrire sur le numéro affiché au bas de l'écran. Mm-hmm. Vous aurez ses œuvres. Voilà, c'est fait, c'est dit. Alors, coucou la pause. Coucou, salut. Vous êtes ravissante. C'est un grand plaisir pour moi de suivre votre émission depuis Cotonou. Merci pour ces moments de grande distraction que vous nous offrez tous les jours que Dieu fait. Et c'est de la part de Monsieur Innocent depuis le Bénin. Merci, bon vent Innocent. À notre artiste. Exactement. Alors, vous êtes tous mimis au plateau. Courage au frère Agora. Ouais, bon, pourquoi la tante à gauche de Joël ne parle pas? J'aimerais entendre sa belle voix. Ben voilà. Il faut que tu dises quelque chose. Elisham. Il faut dire quelque chose. Dis « ah » dans le micro. Vas-y. Vas-y, il faut que tu dises quelque chose. On va danser tout à l'heure. Ah. Voilà. Applaudissez l'Elisham. Bien. Allez, on poursuit cette émission. À présent, on vous parlait d'immobilier, les bons plans pour cette période de fête. Comment célébrer dans une belle maison avec tout ce qu'il y a comme high technologie, climatisation, écran, smart TV, tout ce qu'il faut, en famille ou même en amoureux ou en solitaire. Vous en avez le droit. Il y a une plateforme qui vous donne l'exclusivité. On part pour Info Immo. On retrouve mon unique idéal et son invité du jour. Amen, 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 amen
Komina, mais des pépés, les fatigués, les bouleversés, caca, non bébé, maolé. Si les anges sont là pour nous, là pour sache qu'ils n'attendent que toi pour le rendez-vous. On met nous pour la bioque, belle à quoi nous de la doux. Allons immédiat pour la coque, belle à quoi vivre au coup son dit. Blanc bébé. Bonjour ma soeur chérie, j'ai besoin du numéro du gars qui était venu à la pause l'autre fois pour danser Bella de Carole Fit Nicanor. Who is that? Chakra. Ah d'accord, donc Lady Shams a capté. Hein. Justement, okay. On te souhaite une bonne fête d'anniversaire Lady Shams. Bien, alors on va lire encore un message rapidement. Coucou la pause. Coucou, salut. Tellement vous rendez merveilleux mes journées, enfin merveilleuses mes journées, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Alors juste pour vous saluer, Océane, vous ressemblez à une petite fille avec votre coiffure, mais vous êtes superbe. C'est une petite fille en fait. Oui, mais... En fait, je ne suis pas si vieille que ça. Hein. Ouais, de vrai, je dois avoir un peu moins de 13 ans, la, vérité, la dernière fois qu'on a compté, on était à... Blémivant. Respectez ma présence, hein, je n'aime pas ça. On va lancer les choses. Vous ne pouvez pas respecter votre maman. Hein? Maman. Je dis que j'ai 15 ans aujourd'hui, 13 ans, voilà. C'est ça. Ma maman me dit qu'elle a 13 ans. Si, si, j'ai 13 ans, j'ai vite fait mes enfants. Anyway, ne suivez pas mon exemple. Hein. Alors, on va parler immobilier avec mon unique et idéal et notre invité, Monsieur Haïti Ajavon, bonjour. Bonjour, la pause. Comment bonjour. Vous allez? Ça va, je me porte bien vous-même. Ça va. Vous êtes sûr, ça va? Vous pouvez vous détendre. Hein. C'est vrai qu'on piège. Je suis. John est descendu du plateau déjà. Il n'y a plus de questions. D'accord. Maman disait pourquoi il rit. Tellement il s'est assagi. Voilà. Parce qu'il sait qu'avec la pause, tout peut arriver tout à tout le monde. Attention, c'est mal le connaître aussi, hein, monsieur Ajavon, parce que s'il arrive à trouver sa zone de confort, vous êtes en danger. Oui. Voilà, justement. Allez. On va parler de logement aujourd'hui, spécialement appartement. Nous sommes partis déjà pour la semaine dernière, tester un appartement. Et bien sûr, qui nous a offert ses locaux et son cadre de privilège où on a quand même débriefé sur l'émission La Pause. On a passé un moment exceptionnel et cela, c'est grâce à une plateforme que l'on surnomme Wezon, dont nous avons bien sûr le fondateur ici avec nous, M. Haïti Ajavon. Alors, parlez-nous déjà, moi je veux savoir, c'est quoi Wezon? C'est vrai, on en parle, plateforme qui met à disposition des appartements, des logements, c'est quoi concrètement? Ok, concrètement, donc Wezon, c'est une plateforme qui vise à faciliter le voyage en Afrique en répondant à trois questions essentiellement. C'est où est-ce que je loge? Comment est-ce que je me déplace et qu'est-ce que je fais comme activité dans une ville africaine? Donc, où est-ce que je loge? C'est les hébergements meublés que nous offrons. Comment est-ce que je me déplace? C'est la location de véhicules avec ou sans chauffeur. Et en matière d'activité, c'est les services offerts par les guides aussi, les circuits. Et tout ça, c'est en ligne. Donc, c'est une plateforme, vous allez en ligne et vous pouvez donc réserver ces services dont vous avez besoin. Voilà. Donc, réserver, payer... sur la plateforme en ligne. Voilà. Voilà, ça c'est le pourquoi Wezon. Maintenant, quels sont les services qu'offre Wezon? Bon, donc il y a trois catégories.
hébergement. Et comme je dis hébergement, ce n'est pas juste les appartements. Ah. D'accord, c'est logement en général meublé. Okay. Donc ça peut être une villa, ouais. Ça peut être un appartement, ouais. Ça peut être une maison d'hôte, mm-hmm. Ça peut être une auberge, ouais. Oui, studio. Okay. Donc voilà, donc, c'est que c'est meublé. Mm. Pas d'hôtel pour le moment. Pas d'hôtel pour le moment, c'est non. Rien que des... Voilà, c'est des hébergements privés. Privés. Voilà. Ah ok, super. Est-ce que je peux... C'est vrai oui, qu'on a une vidéo qui illustre un peu ce dont on parle. Là, on est dans un appartement. On va vous raconter l'histoire derrière ces petites ces images tout à l'heure. Mais est-ce que l'application est réservée aux personnes résidant au Togo, ou seulement ou à les personnes étant à l'étranger? Non, c'est pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont à l'étranger, tout comme les locaux. Mon désir, ce n'était pas de créer une structure qui est pour les étrangers. Et c'est un peu la perception d'ailleurs que j'aimerais changer. Mm-hmm. Parce qu'il y a bel et bien des locaux qui veulent parfois s'échapper dans une belle maison avec une piscine. Surtout pour dans le cette week-end. Période de fête. Voilà, là, ou bien il y a des gens qui veulent s'échapper dans une maison avec jardin à plusieurs. Et ce n'est pas toujours des gens de l'étranger qui ont besoin de ça. Ouais. Ou des gens qui veulent faire un circuit. On veut faire un circuit, on veut sortir, on ne veut pas aller à Kwalimé, là où tout le monde va. On veut aller quelque part d'autre. On veut faire un circuit, par exemple, sur Anehor, mm-hmm. ou même plus loin, Sokolé, et profiter des services d'un guide touristique. Donc, c'est pour les locaux, tout comme pour les gens qui sont à l'étranger. Mm-hmm. Justement, qui sont à l'étranger. Oui. Alors, c'est vrai que quand on parle de l'étranger, il y a également d'autres sites. Oui. Hein, qui sont à disposition et qui permettent de faire des réservations de logements, ainsi de suite. Mais quelle est la différence de Wason par rapport à peut-être donner booking.com et Airbnb sur le plan déjà local, okay. immobilier. Très bien, merci pour la question. Oui. Alors, Booking et Airbnb, ce sont des plateformes internationales. Je dirais par exemple Airbnb, c'est une plateforme qui m'a inspiré. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on trouve des hébergements meublés de par le monde à mm-hmm. travers Airbnb. Oui. Il y en a plein au Togo, Bénin, Ghana. Voilà. Mais partout. Voilà, partout. La particularité alors de Wason pour moi, c'est que déjà nos services... ils sont vérifiés, inspectés. Donc ça, c'est une grande particularité. Tout ce que vous voyez sur les annonces, toutes les annonces que vous voyez sur notre site web, vous devez savoir que l'équipe de Wason est venue contrôler et s'assurer, que ce soit hébergement, mm-hmm. que ce soit véhicule. Et les véhicules sont inspectés à l'avance par un mécanicien. Ouais. Et pour les guides, c'est que nous avons vérifié leurs compétences quand même. Mm-hmm. Donc tout ça est vérifié à l'avance. C'est ça la différence, une des différences fondamentales entre nous et ces plateformes-là, où parfois, vous pouvez aller et les gens, ils peuvent créer un compte et mettre les photos qu'ils veulent et vous dire ce qu'ils veulent par rapport à leur hébergement. Mais ce n'est pas sécurisé. Voilà, rien n'a été vérifié, en fait. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas cette garantie-là. C'est quoi la réactivité de Wason? Voilà. On commande un truc tout de suite. Quel est le délai? Le délai. Pour en être en possession, en fait. Exact. Disons qu'il y a certains de nos propriétaires, parce que nous travaillons en collaboration avec des propriétaires. D'accord. Donc, par exemple, quand vous lancez une requête de réservation sur la plateforme, en l'espace de moins de 24 heures, on vous a répondu. Oh. Mais par exemple, si vous trouvez un hébergement, il est 7 heures, ouais. et que vous voulez un hébergement pour midi, et que vous lancez une réservation, ce n'est pas forcément évident que la personne va voir. Ce n'est pas l'hôtel. Ce n'est pas l'hôtel. Il y en a certains qui sont prêts. Déjà, il faut qu'ils voient la requête. Ouais. Et il faut qu'ils s'assurent que, quand même, l'endroit est prêt à vous recevoir. Super. D'accord? Alors, pour la réservation, comment est-ce qu'on effectue la réservation? Pour ceux qui sont à l'international, comment la réservation s'effectue? Et quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a un prix standard ou bien c'est selon... Parce que vous avez dit, hein, tout ça, c'est bien beau. On a des maisons tout entières, on a des apparts et tout le reste. Oui. Mais peut-être que ça va coûter un peu plus cher. Un peu plus cher, voilà. On ne sait jamais. Avec tout ce que vous avez mis dedans, là, on est dans une maison entière. Oui. À l'hôtel, c'est différent. Est-ce que ça ne coûte pas plus cher qu'à l'hôtel? Plus cher, voilà. Non, ça ne coûte pas plus cher qu'à l'hôtel, en fait, non. Parfois, oui, les gens, quand on dit un prix, par exemple, ils disent « waouh ». On a, par exemple, un de nos partenaires qui offre une maison avec piscine. Et la maison, on en parlait, oui, c'est à 1,5 million le mois. Oui. Le mois. Et une maison avec piscine. Voilà, tu as dit « waouh, c'est beaucoup ». Je t'ai dit « ok, oui, 1,5 million le mois, divise ça par 30 ». Mm-hmm. Ça fait 50 000 francs la nuitée. D'accord. Alors, vous connaissez les prix des hôtels. Des hôtels, ça, c'est les chambres, juste une chambre ça, d'hôtel
dans un hôtel décent à Lomé, on paye combien? 75 000 minimum. Hein. 75-80. Pour un hôtel un peu, disons, au standing, vraiment le haut standing. Mais maintenant, même là, c'est moyen. Voilà. Moyen. Il y en a pour 120, 122, 125. Voilà. Alors, quand quelqu'un vous offre une maison meublée avec piscine, avec 4 chambres, 4 salles de bain, 2 salons et un rooftop, à 1,5 million. Le mois, 24, est-ce qu'on a la possibilité de négocier pour, par exemple, 3 jours, 1 semaine ou 2 semaines? Ce qu'il y a, c'est qu'avec nos partenaires, ils inscrivent les prix. Déjà, à la base, Wison, c'est des prix journaliers. Ce n'est pas des prix mensuels. D'accord. Okay. D'accord. Donc, c'est à la nuitée. D'accord. Donc, il n'y a pas à négocier. Les prix sont indiqués. Mm-hmm. Ils vous disent, voilà ce que le prix à la nuitée. Ils vous disent, par exemple, voilà au mois. Ou ils vous diraient, par exemple, au-delà de 10 jours, je vous offre un rabais de 10%, un rabais de 15%, et puis voilà. Et puis voilà. Donc ça dépend, en matière de prix, ça dépend. On a des gens qui ont des appartements tout meublés, par exemple à 30 000 francs la nuitée. Donc encore une fois, si vous voulez à l'hôtel, il y a des hôtels décents quand même à 30 000 à l'hôtel. Ouais, mais vraiment. C'est une chambre d'hôtel. Ouais. Là, vous avez votre appartement à 30 000 francs la nuitée. Donc, voilà. Voilà, quoi. Très abordable, bien sûr. Et bien sûr, nous allons partir pour un petit élément qui illustre vraiment ces logements, ces espaces qui accueillent et qui résout vos problèmes. Allez, on y va. Alors aujourd'hui encore, on teste une aventure Wison avec justement la résidence des Roots. Et j'espère que vous allez juste apprécier ce que vous allez voir. Je suis avec mon équipe. On s'est dit qu'on va faire un break et faire justement un team building. Donc les voilà avec leur tête bizarre, faites pas attention à eux. Mais ce qui est plus important à découvrir ici, eux ils font juste partie du décor. C'est que cette villa, le salon est équipé, mais high technology, vous avez une smart TV. Et au plafond, c'est extraordinaire, vous avez des jeux de lumière. Je veux bien essayer pour de la cuisine. Vous remarquez tout de suite que c'est une cuisine qui est totalement équipée. Je vous montre juste les équipements. Ici, vous avez votre plan de travail, votre plan de table, cuisine et tout le reste. Vous avez un grille-pain, vous avez votre micro-ondes, vous avez des plats. Donc, vous en avez ici. Nous, on a utilisé, c'est pour ça que c'est un peu en désordre. Et puis, ce que j'affectionne surtout sur la cuisine, c'est cette petite sortie. Alors, la chambre, c'est comme le dit ma mère, c'est l'antre d'une personne, c'est le ventre d'une personne, c'est un endroit qu'on ne dévoile pas rapidement ou aussi facilement. Mais pour vous, je vais la dévoiler. Et donc, je vous invite à regarder ce que... Alors, faites pas attention à Miss Martha, je ne sais pas à quel moment elle est venue squatter ma chambre, mais bon, voilà. Le lit, il est juste gigantesque. Je ne sais pas si c'est un lit royal, mais je l'ai adoré. J'ai dormi ici cette nuit et c'était parfait. Climatisation qui marche à fond. Et il y a une particularité ici aussi. J'ai cette commode que j'adore. J'ai installé tous mes produits. Je vais allumer. Voilà, c'est bon, c'est fait. Alors ça, c'est la douche. Elle est vaste, comme la chambre, comme le lit. Et on se sent... Entre ma chambre et bien sûr, je vais vous demander de me suivre. Vous allez monter les escaliers. Allons-y. Bien sûr, nous avons arpenté les escaliers, bien sûr, le couloir. Et maintenant, je vais vous montrer ma chambre, là où je suis logé. Eh bien, j'ai passé une très, très douce nuit. Et voilà, vous découvrez comme cela ma chambre. Voilà, voici le lit qui m'a accueilli avec un confort absolu. C'est ici que j'ai passé ma nuit. Et bien sûr, c'est ça, c'est le route qui nous a... Et justement, parce que ça n'aurait pas pu être parfaite si je ne vous montrais pas justement la grande terrasse qu'on a. Donc, vous avez une terrasse, une première ici, avec une petite table. Si vous avez envie peut-être de prendre de l'air ou juste venir vous reposer ici. Mais au-delà de tout, vous pouvez profiter du soleil sur cette vaste terrasse que je vous emmène regarder. Attention, ils sont encore là, mon équipe. On a fini de travailler, donc ici, on s'est dit qu'on va partager un petit verre.
et puis bah, on passe un moment unique ensemble. Après, on a... Et voilà, je vous présente le rooftop de des routes qui nous accueille. Vous avez ici le bar et bien plus pour vos soirées cocktails. Et il y a également des sièges qui vont vous accueillir pour également l'installation. Je vous emmène. C'était ça, un week-end avec... on était à l'appartement de Roots, oui. Qui nous a été mis à disposition par la plateforme Ouaison. Mm. Donc, qu'est-ce que nous, on avait fait? On avait pris la réservation bien avant parce qu'on préparait justement le team building, donc une sortie en équipe pour aller travailler sur les nouvelles saisons de l'émission. Exactement. Et donc, on a eu la grande possibilité justement et le privilège d'obtenir un appartement ou un immeuble avec une résidence de 4 chambres bien équipées. Toutes les chambres avaient leur WC douche, toutes les chambres étaient avec de grands lits, mais vraiment, vraiment bien accueillants. Et puis, il y avait cette cuisine magnifique. Avec ce réfrigérateur. Et on avait quoi? Micro-ondes, grille-pain. On avait tout, on avait un salon. C'était un week-end splendide. Extraordinaire. Tu as aimé la Smart TV? Oui, on a aimé sur laquelle tu as pu on voyait les chansons de Taïk, là, j'ai chanté Bien sûr. Alors, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui voient. Oui. Mais j'aimerais bien sûr te demander comment effectuer la réservation maintenant. D'accord. On va donner le numéro, le contact, pour que les gens puissent quand même venir vers vous pour comment on va effectuer la réservation. Pour réserver. Voilà. Oui, OK. Alors, ce que je vais faire, pour faire simple, c'est plutôt donner... une adresse mail, là où ils peuvent nous écrire, d'accord, pour ces informations. Oui. C'est info@ouaison.co. Alors, Ouaison, c'est W-E-Z-O-N, pas W-O-E, c'est W-E-Z-O-N.co, ce n'est pas .com, info@ouaison.co. Voilà. Et on se fera un plaisir de répondre à leurs questions. Les réservations peuvent se faire en ligne. Vous créez votre compte, vous choisissez votre annonce, ça vous dit le prix. Et vous pouvez même voir les dates de disponibilité. Voilà. Donc vraiment, vous êtes très indépendant quand vous allez sur notre plateforme. Voilà. Voilà. Les gars, il faut profiter en même temps. Parce que je sais que vous êtes en train de rentrer au pays. Et puis vous cherchez des coins où vous pouvez rester. Je veux juste préciser qu'on avait, nous, un service de gardiennage. On était surveillés. Bon, la maison était surveillée 24 heures sur 24. C'est dans les deux sens. Après, accessibilité. Accessibilité également, c'était vraiment top parce que vous êtes au cœur de la ville. Vous avez une belle maison au cœur de la ville sans savoir que vous avez des joyaux comme ça au cœur de la ville. Et ce que j'ai apprécié chez Ouaison, c'est justement parce que Ouaison arrive à nous dénicher ces belles maisons avec des architectures extraordinaires à moindre coût. J'ai encore vu une autre maison là, on va voir ça le week-end. Et pour ceux qui sont intéressés, par exemple, qui voudraient mettre leurs hébergements ou leurs véhicules à location, ils peuvent aussi nous contacter pour ce partenariat. Merci. Exactement. Ils peuvent nous contacter pour ce partenariat. Je rappelle que pour la réservation, il faut tout simplement écrire à info@ouaison.co. info@ouaison.co. C'était bien sûr Monsieur Ajavan. Aïté, fondateur de Ouaison, la plateforme qui traite de vos questions de transport et de logement. Merci beaucoup. Allez, on continue. Coucou la pause, j'espère que vous allez bien. Très bien. Chez moi, pas mal. On dirait que Noël s'annonce bien chez vous. Oui, Tanti Océane, c'est moi-même. Vraiment, tu es jolie avec ton coco taillé. Merci beaucoup. Juste un bonjour et c'est de la part de Chantal depuis Libreville. Merci Chantou, c'est très gentil. Bonjour. Bonjour. Alors, j'espère que vous portez bien. En ce jour spécial, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa d'amour. Je lui souhaite ses propres voeux. C'est Daniel depuis Adjengri. Merci. Daniel. Salut la pause, comment allez-vous? Super bien. Lily Shams. Je vais réserver ça après. Ok, je vais lire. Bon. Alors, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'attends ta danse agréable pour prendre mon déjeuner. Et vraiment, Océane, tu es extraordinaire. C'est de la part de Marina, depuis Baguida. Alors, coucou la pause. Coucou, un message qui nous vient du Gabon. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est de la part d'Afiwa Pelagi, depuis le Gabon. Fière d'être togolaise. Nous également, merci beaucoup. Et maintenant, place au cinéma et à l'environnement. Anybody way won't fight you. May they come, they already know. I'll be right beside you.
like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boy. I'll be a soldier for you. I'm getting better. Applaudir déjà les enfants. Et je vais applaudir aussi les réalisateurs. Principalement les preneurs de sang. Alors, c'est pour dire que justement, c'est dans le cadre de ce concours lancé ici à l'émission La Pause, le concours Par nous pour nous, où nous avons les enfants qui envoient les vidéos de sensibilisation. Je rappelle que si vous voulez encore aller dans cette compétition, vous avez jusqu'au 10 décembre prochain pour envoyer les vidéos. C'est de moins de une minute avec les enfants qui sensibilisent contre la protection de l'environnement. Il faudrait envoyer ces vidéos sur le 93 34. Ils sensibilisent pour la protection de l'environnement, je pense. Pas contre. Ils sensibilisent pour la protection de l'environnement. Voilà. Merci, Océane. Et il faudrait envoyer ces vidéos sur le 93 34 90 93. Je rappelle, 93 34 90 93. Et puis à la clé, 200 000 avec une tablette éducative. Après cette étape, les enfants sont en situation, on les retrouvera en situation ici sur le plateau de l'émission. Donc, on aura la qualité vocale, on aura la diction, on aura aussi le sens même du message qu'ils veulent véhiculer. Et ça, ce sera après la, la,
la sélection des meilleures vidéos. Nous avons vu des vidéos qui ont un bon son, des vidéos qui n'ont pas un bon son, mais on fera quand même le tri et les enfants qui auront passé cette étape-là. Il y a les enfants individuellement et puis il y a les groupes également. Et donc, on se retrouve sur le 93 34 90 93. Et rappelons aussi l'information actuelle du cinéma togolais, c'est le festival Émergence qui bat son plein depuis samedi dernier. Aujourd'hui, vous pouvez encore retrouver dans les jardins de l'Institut français. Au cours de cette journée, entre 10h et midi, vous avez des masterclass. À partir de 16h jusqu'à 21h, vous avez au total 17 films qui seront projetés à l'Institut français. Donc, rendez-vous à partir de tout à l'heure à l'Institut français pour suivre les films en compétition pour le compte du festival Émergence. Et tout à l'heure, hein? Non, c'est dit tout de suite, quoi. Merci, Jojo. Non, on ne peut pas s'en empêcher. Ouais. Sinon, il y a quelque chose quand même. Hein? Alors, tout de suite, là, ouais. Où on est, ouais. On veut célébrer avec une personne qui est importante et suffisamment importante pour l'équipe de La Pause, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. On a gagné du temps, hein, gagné du temps pour qu'elle oublie même que c'est son anniversaire. Nous avons décidé de chanter ensemble. Exactement. Joyeux anniversaire à Lily Champs. Donc, on vous prend à contribution à la maison. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Lily Champs. Joyeux anniversaire, anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Un gros bisou à mon coiffeur Dieudonné qui est également de l'autre côté de Tochi. Et puis nous, on se dit à demain pour une belle émission avec l'équipe du jour. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à la réalisation. Merci à monsieur Aïté, à Jabon. Après, je comprends un peu avec mon unique idéal ici présent. Sinon, merci beaucoup monsieur Ouezon. Merci également à notre artiste Atisso. On le retrouve à l'hôtel de février à partir du 8 décembre. Nous, on se dit, écoutez, à demain, prenez grand soin de vous. Allez. Et bonne préparation de la fête de Noël et de Nouvel An. Bisous. On vous aime. C'est Noël, c'est Noël, Noël pour tous les enfants. C'est Noël, c'est Noël.
Vous savez, le Togo m'a tout donné.